Bonjour, je reviens pour une petite vidéo concernant les gains pour les SDF. Je ne leur ai pas donné à Noël. Je tenais à vous préciser aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont participé, je ferai un tirage au sort devant tout le monde. Je me servirai pour ceci des adresses que j'ai et qui sont sur le double des recommandés. J'attends donc le 15 pour prévenir qui sera le gagnant des bandes dessinées des sans-famille. Et également, voilà, je vous dirai ce que j'ai fait du chèque global. J'aimerais surtout rassurer les gens qui ont donné une grosse somme et qu'il est normal qu'ils leur reviennent, que je vais faire mon possible pour qu'il leur soit ôté de leurs impôts. C'est normal. Je ne vais pas l'utiliser moi-même, ce serait bien de bien mauvaise discipline morale. Et voilà, et puis pour ce qui est du reste, je vous dirai exactement la somme qui a été récoltée, tout ce qui a été collecté en fait. Et qui revient, je pense, à Notre-Dame des Sans-Abris. J'ai essayé de joindre la personne qui a mis en place, je crois que ça s'appelle acte. Bon, je sais plus. Bref, j'ai essayé de la joindre pour lui demander comment elle avait fait pour remettre, par exemple, 500 euros, plus 500 euros, plus 500 euros à chaque SDF avec un livre qui s'appelait Le Livre du Bonheur. Bon, j'imagine que certaines personnes ne devaient pas savoir lire, donc c'était le geste qui comptait dans l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, ça avance pas trop dans ce sens-là, donc j'en reviendrai sans doute à Notre-Dame des Sans-Abris. Voilà, j'ai noté l'adresse quelque part, je leur ai téléphoné l'autre jour. Et voilà, donc attendez entre le 15 et le 20 janvier pour avoir des nouvelles sujets. Voilà, je vous embrasse et merci de votre écoute. À très bientôt.